Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode de Binding of Isaac. Binding of Isaac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu indépendant sorti en 2011 qui est constitué de salles dont qu'on doit parcourir en fait pour arriver à des boss qui permettent de passer à des niveaux supérieurs et à accéder au boss final. Un peu du style Zelda à une époque où il fallait trouver des clés pour ouvrir des portes et rentrer dans des salles différentes, arriver au boss final et le battre, etc. Sauf que là, on utilise des projectiles. Des projectiles qui sont améliorables au fur et à mesure, mais de manière aléatoire. C'est-à-dire que autant je peux avoir un nouveau projectile, autant je peux avoir des projectiles plus rapides, autant je peux avoir trois projectiles au lieu d'un, etc. L'ambiance de ce jeu en fait est très bizarre puisque y a des les monstres en fait c'est des mouches, des cacas, des fœtus et des organes et plein d'autres merdes, hein. Oui, c'est le cas de le dire. Donc que dire de Binding of Isaac, c'est que le premier jeu, donc comme j'ai dit, a été sorti en 2011. Il y a eu une extension en 2012 appelée Wrath of the Lamb qui rajoutait des objets et des monstres. Et celle-ci, donc c'est la troisième extension, hein, Rebirth, qui rajoute des objets, des monstres, mais qui tourne aussi sur qui tourne plus sur Flash en fait. Et du coup, les graphismes sont meilleurs. Même si ça reste dans l'ambiance dessin et tout ça, hein, franchement c'est très très bien fait, c'est très drôle, c'est très glauque aussi quand même, parce que bon, se battre contre des organes et tout ça c'est pas spécial. Puis vous avez vu l'opening si je puis dire, enfin l'intro où la mère écoute Dieu et veut nous tuer, bon voilà. ça donne bien l'aspect du jeu. Allez, je vais commencer parce que, mine de rien, il faut commencer un jour. J'ai peur, mais il faut commencer. Je vais supprimer parce que j'avais déjà commencé. Bon. Après, ça change pas grand-chose, si ce n'est les donations, les personnages et tout ça.
Mais bon, j'ai rien et on va commencer tout depuis le début. Comme ça, voilà, il n'y a pas... New run. Donc là, on a plusieurs personnages, plusieurs trucs. Sauf que j'ai pas le choix, je peux prendre que Isaac au début. Où es-tu ? Alors voilà, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai le choix entre trois chemins qui me mènent à des salles différentes, etc. Oh, ça laisse des traces. Je peux tirer des projectiles. Voilà, en haut, en bas. Et j'ai aussi des bombes. Il y a des clés et des pièces. Alors voilà, des mouches. Bonjour les mouches. Bonjour. Il y a trois types de mouches. Donc des mouches violettes que je dois tuer en trois coups. Des mouches rouges que je dois tuer en deux coups. Et des mouches noires que je peux tuer en un coup. Le feu m'attaque des fois, donc je fais attention. Voilà, je vais laisser une bombe ici, comme ça vous allez voir. Voilà, ça va me libérer des trucs. Donc je me permets de le faire parce qu'il y a déjà des bombes. Et je peux récupérer la bombe que j'ai perdue en fait. Voilà. Et donc voilà, là c'est la porte du boss. Alors je vais pas y aller maintenant parce que j'ai raté plein de salles. J'ai gagné une clé en plus, donc je vais pouvoir rentrer dans la salle ici. Qui ne me sert à rien. Alors ça c'est pour débloquer des personnages, les donations. Hein ? Voilà, donc vous aussi, hein, si vous voulez débloquer des compétences pour moi en tant que youtubeur, si vous voulez que j'ai, je sais pas moi, plus d'attractivité, que je parle plus et tout ça, donnez-moi plein d'argent, et je m'améliorerai. Enfin, ouais. Ou alors je change carrément de personnage, hein, je demande à un pote de me remplacer. On va donner les sous parce que j'ai pas envie, c'est bon, hein, je m'en fous, voilà. De toute façon, ça m'étonnerait que je réussisse dès le premier coup. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop d'espoir. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà, les mouches, deux coups. Donc les vies, elles restent ici. Hein. Je peux retourner dans les salles du caca. Alors, je vérifie quand même dans le caca. Parce que comme vous voyez, là, y a des objets, des fois. Le caca dans le feu. Oula, un gros patapouf. Ah, il pleure! Pourquoi il pleure? Ah, je vais couper la tête. Donc je fais attention parce que eux ils pleurent, mais ils sont pas gentils, voilà, regarde, ils me chargent, enfoiré. Ah, et ceux qui n'ont pas de tête, ils lancent des boules de sang. Vraiment des enfoirés. Alors, bon, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai pas vraiment beaucoup joué au premier, ni à l'extension d'ailleurs. Hein. Donc je suis pas très très bon. Je connais pas les monstres, je connais pas les objets. Je sais pas ce qu'il y a de nouveau, donc pour ceux qui connaissent, tant mieux. Les autres, bah excusez-moi. Mais bon, voilà. Je peux pas tout savoir. Désolé. Alors là, ça, en rentrant dans cette porte, je perds des vies. Donc faut... Oh là, ça sert... Ouah ! Ah, la blague ! Elle m'a suivi, la bombe, s'il te plaît. Donc faut toujours que j'essaye de... Oh putain... Ok, je peux pas les tuer, je sais pas si elles me font mal ou pas. Voilà, il faut toujours que je garde au moins une vie. Ah non, c'est bon, elles sont avec moi, c'est des amis. Faut toujours que je garde une vie, je vais aller récupérer des vies. Bah, je vais aller en bas, de toute façon. Parce que si je rentre et que j'ai qu'une seule vie... En fait, faut que j'ai plus d'une vie. Hein. Si je rentre et que j'ai qu'une seule vie, en rentrant, je perds un demi-vie. Et en sortant, je perds une demi-vie, donc je meurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, c'est un pouvoir. Distance, admiration, attaque, fly. Ah ah! J'ai une mouche avec moi. J'ai un copain. J'ai des amis, regardez, je suis plus tout seul. Des abonnés qui viennent m'aider, merci. Vous avez une sale tête, les abonnés, mais je vous aime quand même. Non, j'ai pas de sous, j'ai toujours pas de sous. Alors, faut savoir aussi que il y a des salles bonus... Souvent entre trois zones, je crois. Hein. Donc je vais essayer, on va poser la bombe, au pire c'est pas grave. Et voilà, c'est un fail total. C'est pas grave. Ça c'est une bombe perdue, tant pis. Allez, on va attaquer le boss, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est parti mon kiki. Dingle. Alors lui je l'ai déjà battu. Il est très chiant, il est chiant. Hein. Je vous le dis tout de suite, il est chiant. Voilà. Donc là, ah je sais pas ce qui m'a enlevé des vies.
Waouh! Alors là, il m'a déjà explosé. Il m'a déjà explosé. Oh, ça par contre, il le faisait pas avant. D'accord, j'avais pas capté la mouche. Bon bah voilà, je suis mort. Alors quand on meurt, peu importe que je sois dans ce niveau ou dans des niveaux supérieurs, je recommence tout depuis le début. Sans rien, sans bonus, sans rien. Et comme les maps apparaissent aléatoirement, bien sûr, c'est tout... tout est différent à chaque fois, ce qui permet de garder quand même un plaisir au jeu, hein, parce que sinon on se ferait chier quand même, si on ferait à chaque fois la même chose. Ah, une clé. On va aller dans la salle parce que je vais avoir un bonus. Ah ah, qu'est-ce que c'est? 3$ bill. Rainbow Steer. Ok, je sais pas ce que c'est. Mais bon. On va dire que c'est bien. Hein. Ok. J'ai de l'espoir, il faut que je trouve des trucs bien. Oh, merde. Ça sert à rien d'être ici. Okay. What? What? Qu'est-ce que c'est que ça? Je lance des boomerangs, je sais pas d'où ça vient. Merde, j'étais concentré sur mes boomerangs là. Wouah! Oh le truc! Alors je sais pas pourquoi je lance ça, mais ouais, c'est pas pour me déplaire, hein. Ça m'a l'air sympa comme arme. Voilà. Ah non, je peux pas! Alors j'ai une bombe, est-ce que je vais le chercher ou pas? Allez, je vais le chercher. Ah, une clé en plus. Fates up. Alors je sais pas à quoi ça sert. Les vies grises, donc c'est des vies en plus. C'est-à-dire que je peux avoir des vies rouges et des vies grises. Y a pas de souci. Ah et là, j'ai récupéré mes... D'accord, j'ai récupéré mes trucs normaux. Bon. Je sais pas pourquoi il y avait ça. Alors j'ai raté des salles, donc hein, je vais aller quand même vérifier ce qu'il y avait dans les salles. Alors je sais pas ce que c'est ça là-bas, ça m'énerve. Je vais aller voir la salle en bas. Hop là, des mouches, plein de mouches. What? Mais elle change à chaque fois, non? Elle devient... Pourquoi elle devient plus petite là? Alors là, je comprends rien. Ok, bon, c'est juste pour une clé, c'est très bien quand même. Ah donc voilà, je pense que vous avez compris le concept, hein, pour ceux qui connaissaient pas. Ouh là là, alors j'aime pas ce boss, mais alors... What? Et regardez, c'est encore différent. Franchement, j'aime pas ce boss. Alors, il faut pas que je touche les... le samp, sinon je perds des vies. Oh, par contre, les munitions, là, ils m'aident beaucoup. Voilà. Alors, j'ai pas encore réussi à le battre, ce boss, hein. Mais c'est peut-être pour aujourd'hui. Oh, allez, un de moins. Allez, ce sera plus facile avec un de moins. Voilà, donc... ah, c'est nickel, ces munitions, j'adore. Oula, j'ai failli avoir... être. Et voilà, je l'ai battu. Donc si je vais dans le sang, il y a des mouches qui apparaissent et je perds des vies, je sais pas pourquoi. Pentagramme, dommage up. Ah, dommage up, ça m'a l'air sympa, ça. Une belle tête de démon, en plus j'ai le skin qui change et tout ça. Donc vous voilà, là je change de niveau. Non, maman! Maman! Je change de niveau et au bout il y a le boss final. Hein. Aïe! Moi bon, je me permets parce que j'ai beaucoup de vie. Ah, encore le boomerang. Va savoir. Bon, ok, ça servait à rien. J'ai perdu une vie pour rien, là. Ah, un mini-boss. Et là, je sais pas c'est quoi ces munitions. Mais elles sont pas mal, hein, les munitions, quand même, mine de rien. Elles sont... Là, je suis à courte distance, mais elle m'a l'air pas mal. Ah, des pilules. Alors, les pilules, c'est des trucs que je peux avoir et qui me donnent des bonus. Bombes Arki. Les bombes que je vais looter, ça va être des clés. Bon, c'est sympa parce que j'ai déjà 3 bombes, donc... voilà. Alors, eux, je les aime pas non plus. Mais bon, ça va. Les boomerangs, c'est vraiment puissant, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Monkey Paw, Wish Guaranteed. Et je sais pas ce que c'est ces trucs. Fates Up. Et comme je suis nul en anglais... Ok, bon j'ai une clé, alors je vais rentrer là-dedans, allez.
Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Burning Blast plus 5 bombes. Ouh! Ça m'a l'air sympa, ça. Oh, regardez, regardez ce skin. Tout droit venu des enfers. Oula, 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 c'est quoi ça? Ils sont beaucoup, ils sont beaucoup. Heureusement que la salle, elle est grande. Et je sais pas ce que c'est, le munition que j'ai eu là, les rainbow je sais pas quoi là. Mais apparemment ça change à chaque salle et franchement c'est pas mal quoi. Pour l'instant je m'en sors bien hein les gars. Ah, j'ai plus de clés. Je croyais que les bombes c'était des clés. Ah attends, je crois que j'ai compris ce que c'est. On va voir. Et pas du tout. Par contre, elles m'ont l'air bien plus puissantes, les bombes. Ça m'a l'air sympa, tout ça. Bon, des vies, on s'en fout. Ah, là, c'est des munitions normales, tiens. Bon, ce jeu est très, très dur, hein, je vous le dis tout de suite. Dingle. Encore? Ah non, c'était dans la partie précédente. Ah, salope. Non, 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 non. Je vais essayer de le faire bien mal. Oh là là. Qu'est-ce que je l'aime pas, celui-là. Hop là, esquive. Non, d'où il descend, l'enfoiré. Hop là, allez. Il est mort, il est mort. Monstrueuse apparue at the basement. Ouah, je suis nul en anglais, mais là, c'était l'accent. Alors, je vais voir au basement. Apparemment, il y a un truc qui est apparu. On va aller voir. On va récupérer les vies aussi, tant qu'à faire. Hein. Si j'ai bien compris, il y a un truc là-bas. Non, il n'y a rien là. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai toujours pas de clé, donc je peux pas aller là-bas. Et bah, c'est pas grave, on va aller au niveau suivant. Déjà, niveau 3, c'est très bien pour un premier épisode. Bon, je vous rassure, hein, une fois, il y a d'autres trucs. J'ai pas encore tout testé. Mais je vais casser le caca parce qu'il y a peut-être des trucs intéressants aussi. Et c'est pas les mêmes munitions encore. C'est encore des munitions différentes. Ils me font caca dessus. Mais me faites pas caca dessus. En plus, vous me faites caca par des seins. Je sais pas ce que c'est, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Une salle de combat? Oh! Oh non, j'aime pas les vers. Je les aime pas du tout, les vers. Dès que on s'approche trop d'eux, en fait, ils te foncent dessus. Donc, faut rester le plus éloigné possible. Ah, nickel. Nickel. Ouah! Ah, mais... Ah non, eux, ils sont chiants aussi. Eux, il faut les tuer deux fois, en fait. Voilà, sinon, ils réapparaissent. Donc, là, il est mort, mais il va réapparaître. What? D'accord, c'était la vie fatale, là. Énorme. C'est la vie... si on te touche, tu meurs. Ouah! Mais ils sont combien? Et il va y en avoir beaucoup comme ça là. Ah merde. Ah et tout ça pour une clé? T'es sérieux là? Et tu te fous de ma gueule? T'es sérieux là? J'y crois pas. Hein. C'est du foutage. Ah cela je connais pas lui. En tout cas il m'a l'air de faire des sprints assez assez énervants. Bon, ça va, ça va. Je m'en sors pas mal, je m'en sors pas mal, les gars. Si ça se trouve, je vais déjà battre le boss final dès le premier épisode, allez. Oula. Ah là. Ah. On va détruire le flamme parce qu'il m'inspire pas confiance, les flammes, là. Enfin, c'est pas qu'il m'inspire pas confiance, mais c'est que je peux pas aller sur les côtés, ça m'énerve.
Ah, et merde. Donc, oh, faut que je leur tire dessus quand ils me tirent dessus, en fait. Donc, c'est d'autant plus chiant que... ils sont trois. et que je sais pas viser. Ah, purée. Non, 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 non. Allez, viens là, salope. Ah. Ah. Tu m'as pas eu. Tu m'as pas eu, fils de chien. Ah. Tu m'as eu. Mon dieu, mais en plus, ils ont une portée de fou. Et en plus, ils font ça, voilà. Ils font ça chacun leur tour, comme ça, il y en a un qui protège et l'autre qui tire. Foiré. Donc là, il y a des chances qu'il y ait un truc, je vais aller voir. Et non, toujours pas. De toute façon, j'ai plein de bombes. Je vais aller voir là, en dessous. Celui-là. Non, toujours pas. Oh, mais tu te fous de ma gueule. Ouah, wow, qu'est-ce que c'est que ça. Ah, mais il crache, l'enfoiré. Alors, je sais pas ce que c'est. Mais ils m'ont pas l'air bien fort, à part cracher des boules de sang. Ça va, ça va, ça va. J'ai connu pire. J'ai oublié une pièce. Bon, ben, on va dans la grande salle, alors. Ouh, 3, 3, 3, 3, là, c'est très bien. C'est lent, mais c'est 3, quand même, hein. Ah purée, t'es sérieux là? J'arrête pas de dire t'es sérieux dans ce jeu. Eh, j'ai plus qu'une vie, hein, faut que je fasse gaffe. On va rester... Non, 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 t'approches pas. T'approches pas trop près. Ah mais ouais, mais ils vont tout droit en fait, donc c'est... Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Wookworm, zip zoop. What? Ouais, non, j'aime pas du tout. Ok, donc je peux pas... Voilà, là par exemple, si je vais là, je meurs, hein, c'est sûr. À moins qu'il y ait une vie de l'autre côté, mais sinon... sinon, je meurs. Wow, alors là... Là, il va falloir que je me dépêche de le tuer, parce que lui, il est pas... Lui, il est pas cool. Ah bah voilà. Bon bah, c'est nickel. Tant mieux, tant mieux. Si je trouve une vie, ça m'arrangerait. Oh, j'ai les boomerangs juste ici alors qu'il n'y a personne. Ah ah, qu'est-ce que c'est que ça? Daddy's love. Wouah, qu'est-ce que c'est? Il y a une ombre qui me suit. Lol. Boomerang! Allez, vas-y, tire-moi dessus. What? 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 C'est quoi ce machin? Oh, il y a une main. Ah oh, putain, je peux pas récupérer ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Allez, je vais récupérer une vie. Voilà, les bombes, j'ai pas besoin. Oh, la main, c'est... Je sais... What? Ah non, c'est un pied. Ouah, wow, mais ce truc. Mais c'est cheaté. Mais c'est trop cheaté, ma couille. Bip. Alors, lui, je connais pas, tiens. Ouah, wow, il me saute dessus, non. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, il lance des projectiles. Et à mon avis, je peux pas aller sur, sur son truc vert, là. Ah, il y a un œil, je sais pas ce que c'est. Ah, purée. On va laisser... Ah, là... Ah, purée. Je peux... Ça lui fait rien, l'œil. Ouah, je vais mourir. Non, j'ai un cœur. J'ai un cœur. Oui, alléluia. Mais purée, c'est pas possible. Et voilà, il est mort.
merci à mon pied, je donnais des shoots et ça a marché. Style HP up. Ah, ça c'est bien. Oh, regardez, on dirait que j'ai un cancer de la tête, quoi. Il y a un fœtus qui est apparu sur ma tête. C'est gore. Ah, il y a une salle, là. Je me demande ce qu'il y a. Wouah. Hardcore. Qu'est-ce que c'est que ça? Fais attention aux flammes, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? War of Babylon. Curse up. Aucune idée de ce que c'est. En tout cas, j'ai des boutons sur la tête, maintenant. Allez, on va avancer. Eh, hey, déjà quatrième, hein, je m'en sors. Oh putain, plus de papier. Oh, l'horreur, quoi. Je préfère encore être là où je suis que plus avoir de papier. N'importe quoi. Wouah, mais ce carnage, sérieux. Ce carnage. Oh, mais ce gros carnage, quoi, allez. Bah, quand je vous dis que j'étais nul... C'est vrai, hein, c'est vraiment la chance du débutant, là, je vous le dis. Wouah, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est quoi, ce truc? Ok, excusez-moi pour la petite fenêtre au milieu. Je suis content que tu joues, hein. Wouah! D'accord, et là, il meurt tout... Wouah! Et en plus, j'ai deux vies comme ça encore. Oh, mais je suis presque increvable, là. C'est pas possible. Ah, quoique là, ça marche pas, là. Ça a pas marché. À mon avis, c'est quand... Oula. Je sais pas ce que c'est, mais c'est horrible. Ah non, en fait, c'est quand je la perds entièrement, la vie. D'accord. En tout cas, cette salle, elle est horrible. Wouah, mais... Wouah. Bon ben voilà, hein, écoutez, je triche, hein. J'ai déjà plus mes vies, malheureusement j'ai déjà plus mes vies qui me sauvent la vie, mais bon. Mon côté débutant reprend le dessus, ça y est. Voilà, si j'arrive à esquiver en fait, je peux m'en sortir, même, voilà, là si je me reste loin. Ah, une carte, qu'est-ce que c'est? Luck of the Draw. D'accord, je vais garder ça. Ah purée, j'aime pas cette salle. May your future become balanced. Oui, ah attendez, c'est pas ça qui me change mes munitions. Ah non, ça a pas l'air d'être ça. Oh là, c'est quoi ça, un mini-boss? Ça m'a l'air d'être un mini-boss! Allez, je suis concentré, hein, excusez-moi. Allez, viens là, mon petit, et voilà le mini-boss, alors qu'est-ce que tu dis? Il dit plus rien, hein, le mini-boss. Il m'a quand même enlevé de la ville, enfoiré. Wouhou! J'ai failli foncer sur les pics. On va aller dans la salle, là. Ah, une piqûre, allez, droguons-nous. Speed shot speed up. Ouh là là. On va tester la carte là, c'est quoi, je sais. Oh. Oh d'accord, ah, c'est bien en fait. Et je deviens carrément cheaté là. Dommage que j'ai plus les cœurs, hein. J'aurais fait... Ouah, par contre là j'ai des petits munitions, j'aime pas ça. Allez, venez là, heureusement que j'ai toujours le pied qui est avec moi. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas sans pied, hein. Pas vrai, Doc? Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pied? Ok. Bon, je peux toujours pas prendre les bons... Ah, mais non, t'es sérieux, j'allais trop vite. J'ai le speed amélioré, là. alors, il y a peut-être... Ah, mais ça a explosé ici, j'avais pas vu. J'avais pas vu, j'ai failli rater une zone. J'ai peut-être raté d'autres zones secrètes, hein, mais bon. C'est pas grave. En plus, j'ai 14 bombes, je pourrais. Hein. Franchement, je pourrais largement aller voir ailleurs. Alors, j'ai 10. Hein. Qu'est-ce que je peux faire avec 10?
qu'est-ce que je peux faire avec 10. Allez, je vais prendre un cœur. Ça peut toujours servir. Et là, il y a une pilule. Ah, il y a une mouche, là. Ah, d'accord, il y a des cacas avec des mouches. Faut que je fasse attention. Voilà. Ball of Steel. Je sais pas ce que c'est, Ball of Steel. En tout cas, j'ai une sale tête, hein, maintenant, franchement, par rapport au début où j'étais un enfant tout à fait normal. Regarde ce que tu as fait de moi, maman. Bon, l'épisode va durer un peu longtemps, mais tant que je meurs pas, je vois... Oh, putain. Tant que je meurs pas, je vois pas pourquoi j'arrêterai. Mais, ouais, c'est trop petit, là, la zone, elle est trop petite. Voilà, on va laisser le pied s'en occuper. Qu'est-ce que c'est que ça? Touche Funzy, get dizzy. Aucune idée. Le key of the draw. Touch Funzy, get dizzy. Méga fatigué. Je connais pas lui non plus. Ouh, Fatman. Wouah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pété l'enfoiré. D'où tu pètes? Et en plus, il fait pas semblant, hein. Quand il saute l'enfoiré. Ouah, il vomit l'en... Ah, mais t'es dégueulasse! Mais ça se fait trop pas! Ouah, regardez! Ah, le lancer de vomi! Ah, mais mon dieu! Mais comme tu es dégueulasse! Je t'inviterai pas à une soirée, hein, franchement! Et en plus, il pète... Quand il pète, il fait caca, quoi! Mais t'es sérieux, là! T'es sérieux! Oh, mon dieu! Ouah, mais j'avance tout seul, carrément! Arrête de péter. Bon, ça va, il était pas très dur celui-là. L'île Choubi. Ah, qu'est-ce que c'est? Dommage range-up. Encore des dommages range-up? Eh ben, putain. Ah, par contre, j'ai plus les cornes du démon de... que j'avais avant. Eh, je tiens ma couille, hein. Je tiens. Cinquième niveau. J'ai des piqûres sur le bras et tout. Oh la gluttonie déjà. Wouah! Il lance un laser, c'est quoi ça? Wouah! L'enfoiré! Oh le laser qui... Eh, je peux même pas aller le voir, purée. Oh le laser qui m'a balancé. Et la vidéo, elle va jamais se terminer. Ça fait déjà 28 minutes, là. Même plus avec l'intro. Que j'ai faite à part. Ok, c'est des cerveaux, des têtes de cerveau avec des masques. Ouah! Il me lance un laser, l'enfoiré. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on va poser une bombe, on va voir. Rien du tout. Oh, il y a plein de cartes, là. Challenge me. Allez, on va voir ce que c'est. Oh, contre un boss. Double trouble. Je connais pas, hein. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il fait. C'est moi qui lance les balles, là? Ah oui, ça a l'air de... Ouah! Ouah, 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 ouah. On va rester en bas. On va l'esquiver. Apparemment, il fait que ça. Donc, s'il fait que ça, c'est nickel. Il est où, mon pied? Pourquoi il n'y a plus le pied? Il n'arrive pas à viser, je crois. Ah, c'est bon, il a eu. Il a touché. Oh putain, le dernier, il laisse des petits vers. J'aime pas les petits vers. On va les tuer vite fait, bien fait. Ah merde. Et voilà. Alors, fais-moi le mariole, là. Merde. Ah, et du coup, j'arrive direct au... En fait, je suis arrivé direct au boss, carrément. Donc, si je veux... Ah merde. Si je veux, je peux carrément aller battre le boss final, là. Non, t'es pas sérieux. Eh mon dieu, si je peux déjà aller battre le boss final, mais j'aurais tout fait dès le premier épisode, c'est fou ça. J'aurais même pas laissé de suspense, quoi. La chance du débutant. Allez, mon pied, viens là, je peux pas l'attaquer de devant.
Merci. Ah, un petit cœur. What? Qu'est-ce que c'est? C'est un cœur... Ok. Ah, il a besoin d'une clé, je crois. Mais comme j'ai pas de clé, bah, désolé. Ok, je sais pas. Je sais pas ce que c'est, ces trucs. Ah, il m'attire, l'enfoiré. D'accord, il m'attire, en fait. Ah! Wouah! Je suis énorme! Pourquoi je suis énorme comme ça? Eh, il y a des fois, je comprends rien au truc. Ou alors, c'est la salle qui est toute petite, en fait. 2 of diamants. Item multiplier. Ah ouais, mais c'est trop tard, en fait. May you find all you have lost. Ah. Ok, heureusement que j'ai des bombes avec moi parce que sinon j'aurais été dans la merde. Hein. Wouah, mais je les assassine, allez. Je les assassine, les gars. Dégage la mouche. Dégage la mouche, pas touche la mouche. Des flammes bleues, je peux pas les casser, je sais pas pourquoi. Wouah, ils se téléportent ceux-là. Pourquoi ils... D'où ils se téléportent? Genre j'en ai déjà battu des comme ça, ils... Ah non, ils sautent en fait. J'en ai déjà battu des comme ça, ils sautaient pas. Oh, prends la pièce là-haut. D'accord. Bon allez, on va les prendre, les bombes tant qu'à faire. Tant qu'à faire, on va les prendre. Ah, et puis en plus, il y a une salle là-bas. Allez, hop. Voilà. Je vais la poser là. Nickel! Regardez, toutes les bombes, la salle... tranquille, tranquille. Et... Ah, c'est quoi ça? Je vais la prendre, je sais, on sait jamais. Momske, voilà. Apparemment, il a fallu. Je voulais pas donner, non. Tiens, je vais prendre la clé. Voilà. Parce que je crois qu'il y a une salle encore et il y a un gars qui me demande la clé, donc je vais aller voir. Bon, il sera long cet épisode, oh là là. 32 minutes et je suis toujours pas mort, allez. C'est qui le pro alors? Bon, par contre... Encore une bombe, eh ben bravo. Wouah, merde, j'avais pas vu les flammes là. Et elle se casse pas, celle-là, en plus. Ah, elle me lance des trucs. Salope. Salope de flamme. Allez, je vais aller à la salle. What? Ah, ça m'a carrément TP, D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? The Mark. Dommage, up. You unlock Azazel. Oh, j'ai débloqué un perso, non? Wouah! Wouah, mais j'ai... Non, pourquoi? Mais j'ai plus qu'une vie. À mon avis, je suis dans la merde. Oh, je suis grave dans la merde, là. Oh, mon Dieu. Je suis grave dans la merde, carrément. Tiens, toi, tu voulais une clé. C'est tout? Tu m'as fait chier et... Qu'est-ce que c'est que ça? Monnaie égale power. Plus d'argent égale plus de dommages. D'accord. Bon bah allez, on y va. Est-ce qu'il y a une salle avant la mer ou est-ce que je suis au boss direct? Ah, j'étais enfermé dans un coffre. Ah merde, il y a une salle avant. Deg. Arcane. Arcade. Et puis non. Je vais pas les faire parce que c'est... Je sais jamais s'il y a besoin de sous ou quoi. Bon, il va falloir que je fasse très attention parce que j'ai plus de vie, quoi. J'ai qu'une seule vie maintenant.
Enfin, deux grâce au truc, mais... What? Ok. Bon, apparemment, je fais beaucoup plus de dégâts aussi, hein. Bon, eux, on dirait qu'ils meurent. Et je vole à travers les trous. Énorme bombe arquée. Ouais, je veux bien, mais je sais pas... Ah oui, j'ouvre. The Magician, may you never miss your goal. Ça m'inspire pas confiance tout ça. Voilà. Bon, bah, j'ai perdu ma vie bonus, je suis dégoûté. Mais il y a... Ouah, Isaac vs Grid. Je suis pas Isaac là, je suis plus Isaac. Ah, je peux attaquer à travers les murs en plus. Énorme. Oh, lui aussi. Steam Sale, 50% off. Ah, je peux acheter des jeux à... je peux acheter des jeux sur Steam 50%, c'est cool ça. Non, what a horrible night. Qu'est-ce que c'est? Non. Non, c'est pas possible. Et je meurs comme ça. Oh, j'y crois pas, je meurs comme ça. Bon, bah, de toute façon, la vidéo avait duré assez longtemps, hein. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, hein. J'espère vous voir nombreux sur cette série. Bon, ça sera une série pour m'amuser. Il y aura pas de but à part, évidemment, battre la mer. Mais il y aura pas de série à proprement parler, puisque ça sera toujours à peu près la même chose, avec des objets différents et tout ça. Mais voilà. Donc, si vous voulez la suivre, je vous souhaite la bienvenue, évidemment. Je vous souhaite... J'espère que vous allez partager cette vidéo et les autres. J'ai un petit pouce vert, des commentaires si vous avez quelque chose à dire, si les paramètres, les volumes et tout ça ne vous correspondent pas, ne vous plaisent pas, dites-le moi, ça m'arrange en fait. Je vous dis bisous à tous, bye bye.